commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De la parole naissait la vie, et cette vie était la lumière de l'humanité. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean, qui vint pour parler de cette lumière aux hommes, afin que tous puissent entendre le message et y croire. Lui-même n'était pas la lumière, il était là pour parler de cette lumière. C'était la véritable lumière, la lumière qui vient au monde et illumine tous les hommes. La parole était dans le monde, et Dieu a créé le monde à travers elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains lui ont ouvert leurs bras et ont cru en lui. Alors il leur a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu par nature. En fait, ils n'étaient plus les enfants de leur père. Dieu était devenu leur propre père. La parole s'est incarnée en un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il a reçue en tant que fils unique du Père. Il a parlé en son nom. C'est lui qui est unique, celui dont je parlais quand j'ai dit « Il vient après moi ». Mais il est bien plus grand que moi, parce qu'il existait bien avant que je naisse. Nous avons tous reçu la plénitude de sa grâce, une bénédiction après l'autre. Dieu nous a transmis la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est comme Dieu et aux côtés du Père, est celui qui l'a fait connaître. Les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites à la rencontre de Jean. « Qui es-tu ? » Jean ne refusa pas de répondre, mais déclara ouvertement et distinctement « Je ne suis pas le Messie. » « Alors qui es-tu ? » « Ne serais-tu pas Élie ? » ? » Non, ce n'est pas moi. « Tu es le prophète ? » ? Non. « Dis-nous alors qui tu es. Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'as-tu à nous dire de toi-même ? » Jean répondit en citant le prophète Isaïe. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin pour la venue du Seigneur !» Les messagers qui avaient été envoyés par les pharisiens lui demandèrent alors. « Mais alors si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu ? » Je baptise juste avec de l'eau. Mais il y a parmi vous celui que vous ne connaissez pas. Il vient me voir. Même si je ne suis pas digne de délier les lanières de ses sandales.
Tout cela se passait à Béthanie, sur la rive est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Là, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi, mais il est plus grand que moi parce qu'il existait avant que je naisse. » Je ne savais pas qui il serait, mais que je viendrais ici le baptiser avec l'eau, afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Et Jean nous a livré ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais toujours pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, m'avait dit: tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur un homme. Il est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. Je l'ai vu et je vous le dis, il est bien le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Quand il vit Jésus passer près d'eux, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'il le suivait. Que cherchez-vous ? Où est-ce que tu vis ? Rabbi. Rabbi. Ce mot signifie maître. Venez, vous verrez. Il était alors près de 4 heures de l'après-midi. Ils le suivirent et virent où il habitait. Et ils passèrent le reste de la journée avec lui. L'un d'eux était André, le frère de Simon-Pierre. Aussitôt, il alla voir son frère Simon. Nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Viens, allez. Viens. Puis il conduisit Simon jusqu'à Jésus. Jésus le regarda. Ton nom est Simon, fils de Jean. Mais on t'appellera Céphas. C'est pareil que Pierre, ça veut dire une pierre. T'en veux combien ? J'en prends un. Un seul ? Ça ira bien, merci. Le jour suivant, Jésus décida de se rendre en Galilée. Très bonne qualité. Ta femme sera très bonne. Il rencontra Philippe. Il lui dit : viens avec moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville où André et Pierre vivaient. Philippe alla trouver Nathanaël. Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans le livre de la loi et sur lequel les prophètes ont aussi écrit. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Viens et tu verras.
Quand Jésus vit Nathanaël venir vers lui, il dit de lui « Voici un véritable Israélite. » Tout est vrai en lui. Comment me connais-tu ? Je t'ai vu. Tu étais sous le figuier avant que Philippe ne t'appelle. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Alors tu crois, juste parce que je t'ai dit t'avoir vu sous un figuier. Tu vas voir des choses bien plus grandes. En vérité, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Deux jours plus tard, il y avait un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. C'est incroyable! Il devait être bien sous ton marchand. Qu'est-ce qu'il se passe? Merci. La mère de Jésus était là. Et Jésus avait aussi été invité à la noce avec ses disciples. Quand le vin vint à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » « Mère, ne me dis pas ce que j'ai à faire. Mon heure n'est pas encore venue. » Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Les Juifs ont des règles de purification rituelle. Et il y avait donc là 6 jarres de pierre, chacune d'elles assez grande pour contenir une centaine de litres. Remplissez ces jarres d'eau. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, prenez de cette eau et portez-en à l'intendant de la fête. Et ils en portèrent. Ils lui apportèrent l'eau qui s'était changé en vin, et il la goûta. Il ne savait pas d'où pouvait venir ce vin. Mais bien sûr, les serviteurs, eux, qui avaient pris l'eau, le savaient. Il appela alors le marié. En général, tout le monde sert le bon vin en premier. Et puis quand les invités ont déjà bien bu, on sort le vin ordinaire. Mais toi, c'est maintenant que tu nous sers ton meilleur vin. Jésus fit son premier miracle à Cana, en Galilée. C'est là qu'il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus, accompagné de sa mère, ses frères et ses disciples, allèrent à Capernaum, où ils restèrent quelques jours. La Pâque juive était proche.
Et Jésus se rendit donc à Jérusalem. Là, dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons, ainsi que des changeurs d'argent assis à leur table. Viens vite, il se passe quelque chose. Alors, il fit un fouet avec des cordes et fit sortir tous les animaux du temple, les bœufs et les moutons. Il retourna les tables des changeurs d'argent et dispersa leurs pièces de monnaie. À ceux qui vendaient des pigeons, il ordonna : faites-les sortir d'ici ! Arrêtez de prendre la maison de mon père pour un lieu de commerce ! Ses disciples se souvinrent que les Écritures disaient : mon dévouement à ta maison, mon Dieu, se consume en moi comme un feu. Les hauts responsables juifs vinrent lui poser cette question. Dis-nous, quel miracle peux-tu accomplir pour justifier ton droit à faire tout cela ? Détruisez ce temple, et en 3 jours je l'aurai reconstruit. Tu dis pouvoir le reconstruire en 3 jours ? Il nous a fallu 46 années pour bâtir ce temple. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent aux Écritures et en la parole de Jésus. Pendant que Jésus était à Jérusalem pour les fêtes de Pâques, beaucoup crurent en lui, témoins des miracles qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'y avait nul besoin qu'on lui parle de qui que ce soit, et parce qu'il savait lui-même ce qu'il y avait dans leur cœur. Il y avait un responsable juif appelé Nicodème, qui appartenait au parti des pharisiens. Une nuit, il vint trouver Jésus. Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous éduquer. Personne ne pourrait accomplir les miracles que tu fais sans l'aide de Dieu lui-même. En vérité, je te le dis. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et comment un homme adulte peut-il renaître ? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois. En vérité, je te le dis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de l'eau et de l'esprit. Un être humain vient physiquement de ses parents, mais il naît spirituellement de l'Esprit Saint. Ne sois pas surpris, parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible ? Tu es un grand maître en Israël,
Et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la Terre. Alors comment pourrez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel? Aucun être n'est jamais monté au ciel, à part le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour en être son juge, mais pour en être son sauveur. Mais ceux qui ne croient pas ont déjà été jugés, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment fonctionne le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Ceux qui font le mal détestent la lumière. Ils ne reviennent pas à la lumière, de peur que leurs mauvaises actions deviennent visibles. Mais ceux qui sont dans la vérité viennent à la lumière, afin que la lumière montre que leurs actions ont été accomplies en accord avec Dieu. Après cela, Jésus et ses disciples se rendirent dans la province de Judée, où ils séjournèrent quelque temps et où ils baptisaient. De son côté, Jean baptisait à Aénon près de Salim, où l'eau était abondante. Les gens venaient à lui et il les baptisait. Cela se passait avant que Jean ne soit emprisonné. Des disciples de Jean se mirent à discuter avec un juif au sujet des rituels de purification. Maître! Tu te souviens de l'homme qui était avec toi sur la rive est du Jourdain, cet homme dont tu nous parlais? Eh bien, ils baptisent aussi maintenant. Ils veulent tous le rejoindre. Personne ne peut posséder quoi que ce soit, à moins que Dieu ne lui ait donné. Vous êtes vous-même les témoins que j'ai annoncés. Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé pour le précéder. Le marié est celui à qui appartient la mariée, mais l'ami du marié, qui est à côté et qui écoute, est aussi heureux d'entendre la voix du marié. Voilà comment mon propre bonheur est devenu entier. Son importance va devoir grandir, alors que la mienne va diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre et parle à propos de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il raconte ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui reçoit son message confirme que Dieu est vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné la plénitude de son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Celui qui ne veut pas croire en lui n'aura pas de vie et restera à la merci de Dieu et de sa punition. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. En fait, Jésus lui-même n'a jamais baptisé qui que ce soit, c'était ses disciples qui le faisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour s'y rendre, il devait traverser la Samarie. En Samarie, il arriva dans une ville appelée Sychar, non loin du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Il y avait là le puits de Jacob. Jésus, fatigué par le voyage, s'était assis près du puits. Le soleil était à son zénith. Arriva alors une femme, une Samaritaine,
qui venait puiser de l'eau. Donne-moi un peu de cette eau. Ses disciples étaient partis en ville pour acheter de la nourriture. Tu es juif et moi je suis samaritaine. Comment oses-tu me demander de l'eau ? Les juifs n'utilisaient pas les mêmes coupes ou les mêmes bols que les samaritains. Si seulement tu savais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, tu le lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah oui, tu n'as pas le moindre seau et le puits est si profond. Où est-ce que tu pourrais trouver cette eau vive dont tu parles ? C'est Jacob, notre ancêtre, qui nous a donné ce puits. Lui, ses enfants et ses bêtes, tous ont bu de cette eau. Tu ne prétends pas être plus grand que Jacob, n'est-ce pas ? Quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je leur donnerai deviendra en eux une source, d'où jaillira l'eau vive et leur offrira la vie éternelle. Et donc si tu me donnes de cette eau, je n'aurai plus jamais soif alors, et je n'aurai plus à venir ici pour puiser de l'eau. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été mariée 5 fois et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois, alors tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les juifs, vous dites que Jérusalem est le lieu où nous devrions adorer Dieu. Crois-moi, femme. Le temps viendra où les gens n'auront plus à aller adorer le Père sur cette montagne ou à Jérusalem. Vous, samaritains, connaissez mal celui que vous adorez. Nous, les juifs, nous connaissons notre Dieu parce que nous savons que le salut vient des juifs. Mais le temps vient. Et il est déjà là. Guidé par la puissance de l'Esprit de Dieu, les hommes adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant la véritable adoration qu'il demande. Dieu est esprit. Et c'est seulement par la puissance de son esprit que ceux qui l'adorent atteindront sa vérité. Je sais que le Messie va venir. Et quand enfin il sera là, il nous expliquera tout ça. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples rentrèrent. Et ils furent très surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun n'osa demander « Que lui veux-tu ?» ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville. Va vite au puits. Venez vite. Venez voir l'homme qui m'a raconté tout mon passé. Venez. Le Messie, quoi? C'est peut-être le Messie. Le Messie. Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus, leur maître, de se nourrir. Maître, il faut manger quelque chose. Mais il leur répondit... J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples commencèrent à se demander les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever la tâche qu'il m'a confiée. Je vous entends dire, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et fins, prêts à moissonner. Celui qui moissonne reçoit son salaire et récolte les grains pour la vie éternelle. Alors celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Il est vrai le proverbe qui dit « Quand l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner dans un de ces champs où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé. Et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru Jésus, parce que la femme leur avait dit « Il m'a raconté tout mon passé ». Ainsi, lorsque les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de demeurer chez eux, et Jésus y séjourna 2 jours. Beaucoup ont cru en lui grâce à ses propres paroles, et il disait à la femme « Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes ». Et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Après avoir passé ces 2 jours, Jésus reprit son chemin et partit en Galilée. Lui-même l'avait proclamé, les prophètes ne sont pas considérés dans leur propre pays. Lorsqu'il arriva en Galilée,
les habitants l'accueillirent chaleureusement parce qu'ils étaient allés à Jérusalem pendant la fête de Pâques et ils avaient vu tout ce que Jésus y avait fait. Puis, Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un responsable du gouvernement dont le fils était malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus venait de Judée pour la Galilée, il décida d'aller à sa rencontre. Il lui demanda de le suivre jusqu'à Capernaum pour y guérir son fils qui était mourant. Personne ne me croira, à moins d'être témoin de miracles et de prodiges. Seigneur, accompagne-moi. Avant que mon fils ne meure. Pars. Ton fils va vivre. L'homme crut à la parole de Jésus, et il partit. Sur le chemin du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre avec des nouvelles. Votre fils, il est sauvé. Il leur demanda à quelle heure son fils avait commencé à aller mieux. Hier, dans l'après-midi, vers 1 heure, sa fièvre est tombée d'un seul coup, monsieur. L'homme se rendit compte que c'était l'heure précise à laquelle Jésus lui avait dit « Ton fils va vivre. » Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée pour la Galilée. Après cela, Jésus se rendit à Jérusalem pour une fête religieuse. Près de la porte des brebis à Jérusalem, il y a un bassin entouré de 5 porches. En hébreu, on l'appelle Betzata. Une foule de malades était couchée sous les porches. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché là et il sut que l'homme était malade depuis aussi longtemps. Tu aimerais te sentir mieux? Ah, Seigneur, oui, mais je n'ai personne pour me plonger dans ce bassin au moment où l'eau bouillonne. Le temps que j'arrive au bord pour y entrer, un autre me passe devant. Lève-toi. Prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri.
Il prit sa natte et se mit à marcher. Le jour où cela arriva était un jour de sabbat. Donc les responsables juifs dirent à l'homme qui était guéri : « Toi, c'est le Shabbat. Tu ne sais pas qu'il est interdit d'apporter en ces lieux sa natte. » « C'est l'homme qui m'a guéri qui m'a dit de prendre ma natte et de marcher. » « Qui est donc cet homme qui t'a demandé de faire cela ?» Mais l'homme qui était guéri n'avait aucune idée de qui était Jésus. D'autant plus qu'il y avait foule à cet endroit et Jésus s'était éclipsé. Plus tard, Jésus le retrouva au dehors du temple. Te voilà guéri maintenant. Alors ne pêche plus, ou quelque chose de pire pourrait arriver. L'homme partit et alla informer les responsables juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, ils commencèrent à persécuter Jésus, parce qu'il avait fait sa guérison le jour du sabbat. Jésus leur répondit : « Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Ces paroles rendirent les autorités juives encore plus déterminées à l'éliminer. Pas seulement parce qu'il avait enfreint la loi du sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, et ainsi il se faisait l'égal de Dieu. Alors Jésus leur déclara : « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit son Père faire, et ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. » Il lui montrera des œuvres encore plus grandes à faire, et vous tous ici en serez étonnés. Tout comme le Père relève les morts et les rend à la vie, de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne lui-même. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, de sorte que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Quiconque n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Ils échappent au jugement, mais sont déjà passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps va venir. Le temps est déjà venu où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Tel que le Père lui-même est source de vie, de la même manière, il a créé son Fils pour être aussi source de vie. Et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de ça. L'heure approche où tous les morts entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront et vivront. Et ceux qui ont fait le mal ressusciteront et seront condamnés. Moi-même, je ne puis rien faire par ma seule volonté. Je juge seulement ce que Dieu me demande, donc mon jugement est droit. Parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais juste ce que veut celui qui m'a envoyé. Si je témoigne pour ma propre défense, ce que je dis ne constituera pas une réelle preuve à vos yeux. Mais il y a quelqu'un qui pourra témoigner en ma faveur. Et je sais que ce qu'il dit de moi est vrai. Jean est celui que vos messagers ont rencontré. Et il leur a parlé au nom de la vérité. Je n'ai nul besoin du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous soyez tous sauvés. Jean était comme une lampe qui éclaire et qui brille. Et vous étiez désireux de vous réjouir de sa lumière. Mais j'ai en ma faveur un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce que je fais, c'est-à-dire les actions que mon Père m'a chargé d'accomplir, ces actions parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé également témoigne en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son visage.
Et vous ne portez pas son message dans vos cœurs, parce que vous ne croyez pas en celui qu'il vous a envoyé. Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez sans doute y trouver la vie éternelle. Mais ces mêmes Écritures parlent de moi. Pourtant, vous n'êtes pas prêt à venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les louanges des hommes, mais je sais quel genre d'humain vous êtes. Et je sais que vous n'avez pas d'amour pour Dieu dans vos cœurs. Je suis venu par la volonté de mon Père, et vous n'avez pas voulu me recevoir. Cependant, quand un autre viendra en son nom, vous le recevrez. Vous aimez tant recevoir des éloges les uns des autres, mais vous n'essayez pas d'avoir la reconnaissance divine qui vient de lui seul. Ainsi, comment pourriez-vous me croire? Cependant, ne pensez pas que je serai celui qui vous dénoncera, mon Père. Moïse, en qui vous avez mis tous vos espoirs, est celui qui vous accusera. Si vous aviez vraiment cru en Moïse, vous auriez cru en moi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment alors pouvez-vous croire ce que je dis? Après cela, Jésus se rendit de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait. Les gens assistaient à ses miracles et le voyaient guérir les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La période des fêtes de la Pâque juive approchait. Jésus leva les yeux et vit une foule avancer vers lui. Acheter assez de pain pour tous les nourrir. Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Pour que chacun puisse avoir un petit morceau, il nous faudrait plus de 200 pièces d'argent pour acheter le pain nécessaire. Un autre de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit : Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et aussi 2 poissons. Mais je crains qu'il n'y en ait pas assez pour nourrir tous ces gens. Dites à tout le monde de s'asseoir. À cet endroit, il y avait beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc tous. Il y avait environ 5000 personnes. Jésus prit le pain, rendit grâce à Dieu et le distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même avec le poisson. Et
et tous en eurent autant qu'ils le désiraient. Lorsqu'ils furent tous rassasiés, il dit à ses disciples : ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent donc, et avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que tous avaient mangés, ils remplirent 12 paniers. Ayant assisté au miracle que Jésus venait d'accomplir, tous dirent alors : c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus comprit qu'ils étaient prêts à s'emparer de lui pour le contraindre à devenir leur roi. Alors il se retira de nouveau sur la colline, seul cette fois. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'au lac. Ils montèrent dans une barque et traversèrent le lac en direction de Capernaum. La nuit tomba. Et Jésus ne les avait toujours pas rejoints. À ce moment-là, le vent soufflait fortement et la mer était agitée. Les disciples devaient avoir ramé 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marchant sur l'eau. Et s'avançaient vers leur barque. Et la peur les saisit. N'ayez pas peur. C'est moi. Puis ils voulurent le faire monter dans leur barque. Et aussitôt la barque toucha terre, à l'endroit précis où ils se rendaient. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait là qu'une seule barque. Tous savaient que Jésus n'était pas parti avec ses disciples et qu'ils avaient embarqué sans lui. D'autres barques venues de Tibériade accostèrent près du lieu où la foule avait mangé le pain, après que le Seigneur ait rendu grâce à Dieu. Quand les gens virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent enfin de l'autre côté du lac et lui demandèrent : Maître, quand es-tu arrivé ici ? En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles. Ne travaillez pas pour la nourriture périssable. Mais travaillez plutôt pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu, le Père, a reporté sur lui toute son autorité. Dis-nous, que devons-nous faire alors pour faire ce que Dieu attend de nous ? C'est vrai, que devons-nous faire ? Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle vas-tu faire pour que nous puissions croire en toi ? Oui, que vas-tu faire ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et comme disent les Écritures, Il leur donna du pain du ciel à manger. En vérité, je vous le dis, ce que Moïse vous a donné n'est pas le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est lui qui descend de ce ciel et donne la vie à ce monde. Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous ce pain-là. Seigneur, donne-nous ce pain. Je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Pourtant, vous ne croyez pas. Chaque personne que le Père me confie viendra à moi. Je ne repousserai jamais celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel non pas pour que ma volonté soit faite, mais pour la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les mène à la vie éternelle jusqu'au dernier jour. Car ce que mon Père veut, c'est que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui puissent avoir la vie éternelle. Et je les amènerai à cette vie éternelle jusqu'au dernier jour. Les gens commencèrent à le critiquer parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Cet homme est bien Jésus, le fils de Joseph, n'est-ce pas? Nous connaissons son père et sa mère. Alors, comment peut-il oser nous dire et prétendre qu'il serait descendu du ciel? Arrêtez de médire entre vous! Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et je les ressusciterai tous au dernier jour. Les prophètes l'ont écrit. Tout le monde sera instruit par Dieu. Quiconque écoute le Père et apprend par lui, vient à moi. Cela ne veut pas dire que quelqu'un ait vu le Père. Celui qui vient de Dieu est le seul qui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, pourtant ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si vous mangez ce pain, vous vivrez éternellement. Le pain que je vais vous donner, c'est ma chair. Et je la donne afin que le monde puisse vivre. Cela déclencha de vives disputes parmi les auditeurs. Comment cet homme peut nous donner sa chair à manger? En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, alors jamais la vie ne coulera en vous. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang auront la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang vivent en moi. Et je vis en eux. Le Père qui m'a envoyé est vivant. Et grâce à lui, je vis aussi. De la même manière, celui qui me mangera vivra grâce à moi. C'est ainsi. C'est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas le même pain qu'ont pu manger vos ancêtres, ceux qui sont morts. Non, ceux qui mangeront ce pain vivront pour l'éternité. Jésus prononça ces paroles pendant qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce discours est trop dur. Qui peut bien écouter ça ?» Sans en être informé, Jésus sentit que ses disciples étaient critiques à ce sujet. Cela vous donne-t-il envie d'abandonner? Que se passerait-il alors si vous voyez le Fils de l'homme retourner à l'endroit où il était auparavant? Ce qui donne la vie est l'Esprit de Dieu. L'homme en tant que tel ne sert à rien. Les paroles que je vous ai transmises apportent la vie et l'Esprit de Dieu. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Depuis le tout début, Jésus savait qui étaient ceux qui ne croiraient pas.
Et qui était celui qui le trahirait? Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne leur en a pas donné la possibilité. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne l'accompagnèrent plus. Et vous? Vous ne voulez pas partir aussi? Seigneur, et vers où irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et désormais, nous croyons et nous savons que tu es le seul et l'unique, l'envoyé de Dieu. J'en ai choisi 12 parmi vous. Et pourtant, l'un d'entre vous est un démon. Il parlait ainsi de Judas, le fils de Simon Iscariote. Car Judas, bien qu'il fût l'un des 12 disciples, était celui qui allait le trahir. Ensuite, Jésus parcourut la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les autorités juives voulaient le tuer. La fête juive des Huttes était pour bientôt. Alors les frères de Jésus lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as faites. » On ne doit pas agir en se cachant des autres lorsqu'on désire être connu. Puisque tu fais de telles choses, fais en sorte que le monde entier le sache. Ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Le moment n'est pas encore venu pour moi. Mais pour vous, chaque instant est le bon. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait. Parce que je continue à dénoncer ses mauvaises actions. Allez à la fête, vous, mes frères. Personnellement, je ne vais pas à la fête. Parce que mon heure n'est pas encore venue. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent rendus à la fête, il y alla aussi. Mais plutôt de façon secrète, car il ne voulait pas qu'on l'y voie. Les autorités juives le cherchaient pendant la fête et demandaient « Où est-il ?» Dans la foule, les rumeurs chuchotées circulaient à son sujet. « C'est un homme bon, » disaient certains. « Non, » disaient les autres, « il trompe les gens. » Mais personne ne parlait de lui ouvertement, par crainte des autorités juives. La fête était déjà à moitié passée, quand Jésus se rendit au temple et commença à enseigner. Les autorités juives ne cachèrent pas leur étonnement. Comment cet homme peut en savoir autant sans jamais avoir étudié? Ce que j'enseigne ne vient pas de moi, c'est Dieu qui m'a envoyé cet enseignement. Quiconque veut se plier à la volonté de Dieu saura si ce que j'enseigne vient de Dieu ou alors si je parle en mon propre nom. Celui qui parle en son propre nom a tendance à chercher la gloire pour lui-même, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est honnête, et il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a bien donné la loi, n'est-ce pas? Pourtant, aucun de vous n'applique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Tu es possédé par un démon. Qui est-ce qui cherche à te tuer? J'ai accompli un miracle, et vous en étiez tous étonnés. Moïse vous a ordonné de circoncire vos fils, bien que cette pratique ne vienne pas de Moïse, mais de vos ancêtres. Donc, vous circoncisez un garçon le jour du sabbat. Si un garçon est circoncis le jour du sabbat afin de respecter la loi de Moïse, alors pourquoi êtes-vous en colère contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Arrêtez donc de juger d'après les apparences et jugez plutôt d'après la justice. Certains habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas cet homme que les autorités cherchent à tuer? Regardez, il parle en public et ils ne disent rien contre lui. » Les autorités pourraient-elles avoir reconnu que c'est lui le Messie? Mais quand le Messie doit arriver, personne ne doit savoir d'où il vient, tandis que nous savons tous d'où vient cet homme. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il s'exclama « Me connaissez-vous vraiment? Et savez-vous bien d'où je viens? Je ne suis pas venu de ma propre volonté, mais celui qui m'a envoyé est digne de toute confiance. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais, parce que je viens de lui,
et il m'a envoyé. Ils tentèrent alors de s'emparer de lui. Mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore arrivée. Cependant, dans la foule, beaucoup crurent en lui. Quand le Messie viendra, accomplira-t-il plus de miracles que cet homme n'en a fait ? Les pharisiens entendirent ce que les gens chuchotaient au sujet de Jésus. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Je serai avec vous pour un peu de temps encore. Ensuite, j'irai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, parce que vous ne pouvez pas aller où je serai. Les autorités juives se demandèrent entre elles : où a-t-il l'intention d'aller pour que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il dans les villes grecques où vit notre peuple et enseigner aux Grecs ? Il a dit que nous le chercherons, mais que nous ne le trouverons pas. Et que nous ne pouvons aller là où il se rendra. Que voulait-il dire ? Le dernier jour de la fête était le plus important. Et Jésus, debout, parla d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et si quelqu'un croit en moi, qu'il boive. Comme disent les Écritures, des cascades d'eau vive jailliront au sein même du Messie. Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À cette période, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Certains dans la foule avaient entendu ces paroles. Cet homme est vraiment le prophète ! C'est le Messie ! Le Messie ne peut pas venir de Galilée ! L'Écriture dit que le Messie sera aussi un descendant du roi David, et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu. La foule se divisa à cause de Jésus. Certains voulaient qu'on l'arrête, mais personne ne mit la main sur lui. Quand les gardes rentrèrent, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent : Vous ne l'avez pas arrêté ? Jamais personne n'a parlé comme cet homme le fait. Alors il vous a trompé, vous aussi. Avez-vous eu connaissance d'un membre des autorités ou d'un pharisien qui croit en lui ? Cette foule ne connaît pas la loi de Moïse. Ils subissent la malédiction de Dieu. L'un des pharisiens présents était Nicomède, qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Conformément à notre loi, nous ne pouvons condamner quelqu'un sans l'avoir préalablement entendu et sans que l'on sache ce qu'il a fait. Alors, toi aussi tu viens de Galilée. Relis donc les Écritures. Tu apprendras qu'aucun prophète n'est venu de Galilée. Puis chacun s'en retourna chez lui. Mais Jésus se rendit sur le mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna au temple. Tout le monde se pressait autour de lui. Donc il s'assit et commença son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens amenèrent une femme qui avait été arrêtée pour adultère et qu'ils placèrent debout au milieu de la foule. Maître ! Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Selon notre loi, Moïse a ordonné que ce genre de femme puisse être lapidée à mort. Et toi, qu'en dis-tu ? C'était un piège qu'il tendait à Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. «
Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire par terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un à un, les plus âgés en premier. Jésus se retrouva seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Il se releva. Où sont-ils passés ? Il n'y a personne pour te condamner ? Personne, Seigneur. Alors donc, je ne te condamne pas non plus. Pars. Et désormais ne pêche plus. Jésus retourna parler aux pharisiens. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Tu viens juste de témoigner pour toi-même. Ton témoignage est sans valeur. Non. Bien que je témoigne effectivement pour moi-même, ce que je dis est vrai. Car je sais d'où je suis venu et vers où je vais aller. Vous ne savez pas ni d'où je suis venu, ni où je vais aller. Vous faites des jugements à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Toutefois, si je devais le faire, mon jugement serait valable. Car je ne suis pas seul pour juger. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes livrent le même témoignage, alors il sera valable. Je témoigne donc pour moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Où se trouve ton Père ? Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Jésus parlait ainsi alors qu'il enseignait dans le temple, dans la salle où se trouvaient les troncs pour les offrandes. Et personne ne l'arrêtait, parce que son heure n'était pas encore venue. Je vais partir et vous me chercherez. Mais vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Il dit que nous ne pouvons pas aller là où il va. Cela veut-il dire qu'il compte se suicider ? Vous appartenez au monde qui est ici-bas, mais moi, je viens d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Et vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis qui je suis. Qui es-tu ? Celui que je vous ai dit être depuis le début. J'ai tant de choses à dire sur vous, tellement de quoi vous juger. Celui qui m'a envoyé, lui, dit la vérité. Et je n'annonce au monde que ce que j'ai appris de lui. Ils ne comprirent pas que Jésus leur parlait du Père. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez alors que je suis qui je suis. Alors vous saurez que je ne fais rien de moi-même. Mais que je raconte seulement ce que le Père a bien voulu m'enseigner. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup de ceux qui l'écoutaient crurent en lui.
Si vous êtes fidèle à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et par la vérité, vous deviendrez libres. Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été des esclaves. Que veux-tu dire quand tu dis « vous deviendrez libres » ? En vérité, je vous le dis, tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne reste pas dans une famille à demeure, mais un fils lui appartient pour toujours. Si le fils vous affranchit, alors vous serez vraiment libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir en refusant mes paroles. Je parle de ce que mon père m'a montré. Alors que vous faites ce que votre père vous a dit de faire. Notre père, c'est Abraham. Oui. Si vous étiez réellement les fils d'Abraham, vous feriez les mêmes actions que lui a faites. Tout ce que j'ai fait, c'est de vous dire la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, vous voulez me tuer. Abraham n'a jamais rien fait de tel. Vous refaites juste ce que vos pères ont fait. Dieu est le seul père que nous avons. Et nous sommes ses enfants légitimes. Ouais, bravo! Si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez, car je descends de Dieu, et que je suis parmi vous. Je ne suis pas ici par ma propre volonté. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Est-ce parce que vous ne supportez pas d'entendre mon message? Vous êtes les enfants de votre père, ce diable! Et vous voulez obéir aux désirs de votre père! Depuis le commencement, ça a été un meurtrier. Et il n'a jamais été proche de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il n'agit que selon sa propre nature. Parce que c'est un menteur et le père de tous les mensonges. Mais moi, je dis la vérité. Et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut prouver que j'ai commis un péché? Si je dis la vérité, pourquoi donc ne me croyez-vous pas? Celui qui vient de Dieu entend les paroles de Dieu. Mais vous, en revanche, vous ne voulez pas de Dieu. C'est pour ça que vous n'entendez rien. N'avions-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as le démon en toi? Je ne suis pas possédé. Mais j'honore mon père et vous, vous ne m'honorez pas. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Mais il en est un qui la cherche et qui jugera en ma faveur. En vérité, je vous le dis, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Maintenant, nous sommes certains que tu es possédé. Abraham est mort, il est prophète aussi. Et pourtant, tu dis que celui qui obéit à tes paroles ne mourra jamais. Notre père Abraham est mort. Tu ne prétends quand même pas être plus grand que lui, pas vrai? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu à la fin? Si je cherchais la gloire pour moi, alors cette gloire ne vaudrait rien. Le seul qui me glorifie est mon père, celui que vous dites être votre Dieu. Vous ne l'avez jamais connu, mais moi je le connais. Si je devais nier le connaître, je deviendrais un menteur comme vous, mais moi je le connais et j'obéis à ses paroles. Menteur ! Votre père Abraham s'est réjoui à l'idée de voir le jour de ma venue. Qui est-il pour dire ça ? Il l'a vu et il était heureux. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne soit né, je suis. Alors, ils prirent des pierres pour le lapider. Lâchez le restaurateur! Lapidez-le! Lapidons-le! Mais Jésus se dissimula et il sortit du temple.
En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Maître, quel péché a-t-il commis pour naître aveugle? Est-ce que c'était les siens? Ou alors ceux de ses parents? Son infirmité n'a rien à voir avec ses péchés ni avec ceux de ses parents. Il est aveugle pour que la puissance de Dieu puisse se manifester en lui. Tant qu'il fait jour, continuons à accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit va tomber. Et on ne pourra plus travailler. Merci à toi. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière de ce monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha sur la terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue. Va te rincer le visage dans le bassin de Siloé. Ce nom signifie « l'envoyé ». Alors l'homme y alla, se lava le visage, et lorsqu'il revint, il voyait. Ses voisins ainsi que ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandèrent « N'est-ce pas l'homme qui était assis et qui mendiait ?»« Si, c'est bien lui !»« Mais non, c'est pas lui, il lui ressemble, c'est tout !»« Oui, c'est bien moi, oui !»« Mais comment se fait-il que tu vois maintenant ?»« Cet homme qui s'appelle Jésus a mis de la boue en plein sur mes yeux, et il m'a dit d'aller à Siloé, me rincer le visage. Et j'y suis allé, et juste après m'être lavé. » Je voyais. Où est cet homme? Je n'en sais rien. On amena alors celui qui avait été aveugle devant les pharisiens. Le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait redonné la vue était un jour de sabbat. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il m'a mis de la boue sur mes yeux. J'ai lavé mon visage et maintenant je peux voir. L'homme qui a fait ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'obéit pas à la loi du Shabbat. Comment un homme qui commet des péchés peut accomplir de tels miracles? Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Tu prétends qu'il t'a guéri en te rendant la vue. Alors, que penses-tu de lui? C'est un prophète! Cependant, les autorités juives refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent entendu et convoqué ses parents. Est-ce bien votre fils? Vous prétendez qu'il est né aveugle. Alors comment se fait-il qu'il puisse voir? C'est bien notre fils, et je peux vous assurer qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas ce qu'il s'est passé pour qu'il voie aujourd'hui, et nous ne connaissons pas celui qui a réussi à le guérir. Demandez-le lui. Il est assez grand et il est capable de vous répondre lui-même. Ses parents répondirent cela parce qu'ils craignaient les autorités juives, qui s'étaient mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui reconnaîtrait que Jésus était le Messie.
Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, demandez-lui ». Les pharisiens convoquèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. « Maintenant, jure devant Dieu que tu diras toute la vérité. Nous savons, nous, que l'homme qui t'a prétendument guéri est un pécheur. » « Je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas. Il y a une chose que je sais. Avant, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. » Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment a-t-il fait pour que tu recouvres la vue? Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Peut-être que vous aimeriez aussi être un de ses disciples. Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à cet usurpateur, en revanche, nous ne savons même pas d'où il vient. » Voilà une bien étrange chose. Vous dites ne pas savoir d'où il vient, mais aujourd'hui, grâce à lui, je peux vous voir. Nous savons que Dieu n'écoute pas ceux qui ont péché. Il n'écoute que ceux qui le respectent et qui agissent selon sa volonté. Depuis que le monde existe, jamais on n'a entendu parler d'un homme qui a pu donner la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il serait bien incapable de faire quoi que ce soit. Tu es né et tu as grandi dans le péché. Et tu voudrais nous donner des leçons. Et ils le chassèrent de la synagogue. Quand Jésus apprit ce qui s'était passé, il alla trouver l'aveugle. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Dis-moi qui il est, Seigneur, afin que je puisse croire en lui. Mais tu l'as déjà rencontré. C'est celui qui te parle en ce moment même. Je crois en toi, Seigneur. Et il s'agenouilla devant Jésus. Je suis venu dans ce monde pour le jugement. Pour que les aveugles puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient là entendirent ces paroles et lui demandèrent: tu ne veux pas dire par là que nous, nous sommes également aveugles? Si vous étiez aveugle, vous seriez innocent. Mais puisque vous dites que vous pouvez voir, c'est que vous êtes encore coupable. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais y pénètre par un tout autre moyen, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger de ses brebis. Le gardien, lui, ouvre la porte. Les brebis entendent sa voix. Il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand elles sont sorties, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Elles ne suivront personne d'autre. Au contraire, elles s'enfuiront si c'est un inconnu, puisqu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Alors Jésus ajouta : en vérité, je vous le dis, je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Ceux qui entrent en passant par moi seront sauvés. Ils pourront entrer, sortir et auront de quoi manger. Le voleur ne vient que parce qu'il veut voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que vous receviez la vie. La vie dans toute sa plénitude. Je suis le bon berger, celui qui est prêt à donner sa vie à ses brebis. Quand celui qui est employé, qui n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit un loup s'approcher, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. L'employé prend la fuite parce qu'il est seulement employé et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Je connais tout autant mes brebis et elles me connaissent. Et je suis prêt à mourir pour elles. Il y a d'autres brebis qui m'appartiennent et qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois les ramener aussi. Elles entendront ma voix
et elles deviendront un seul troupeau, avec un seul berger. Le Père m'aime, parce que je suis prêt à abandonner ma vie afin de pouvoir la recevoir de nouveau. Personne ne peut m'enlever la vie. Je l'offre librement par ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà ce que mon père m'a ordonné de faire. Encore une fois, en entendant ces paroles, les gens furent divisés. Mais il est juste possédé! Oui, c'est un fou! Pourquoi continuez-vous à l'écouter? Un homme qui serait possédé ne parlerait jamais comme ça! Oui, comment quelqu'un de possédé pourrait-il donner la vue aux aveugles? Comment? Dites-le moi! Mais non, enfin! C'était l'hiver, et à Jérusalem, on célébrait la fête de la dédicace du temple. Jésus marchait dans le temple, sous le porche de Salomon, quand des gens se rassemblèrent autour de lui. Combien de temps encore nous garderas-tu dans l'incertitude? Dis-nous juste la vérité. Est-ce toi le Messie? Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas me croire. Tout ce que j'accomplis au nom de mon Père témoigne en ma faveur. Mais vous ne voulez pas croire, puisque vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Personne ne pourra les éloigner de moi. Ce que mon Père m'a donné est plus grand et plus beau que tout. Et personne ne peut les soustraire à la protection du Père. Le Père et moi, nous ne sommes qu'un. Alors les gens prirent de nouveau des pierres, dans l'intention de le lapider. J'ai déjà accompli devant vous plusieurs bonnes actions que mon père m'a demandé de faire. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me lapider? Nous ne voulons pas te lapider à cause d'une action particulière, mais parce que tu viens de blasphémer. Tu es juste un homme, mais tu veux te faire passer pour un dieu! Il est écrit dans votre propre logique que Dieu avait dit « Vous êtes des dieux ». Nous savons que ce qui est dans l'Écriture est une vérité éternelle. Et Dieu a appelé ces gens des dieux. Les gens à qui sa parole était adressée. Quant à moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous alors m'accuser de blasphémer lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Ne me croyez donc pas alors si je n'accomplis pas les œuvres que mon Père veut me voir faire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous pourriez au moins croire en mes actes. Afin que vous soyez convaincus, une fois pour toutes, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Blasphème ! Une fois encore, ils essayèrent d'arrêter Jésus, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau sur la rive opposée du Jourdain, à l'endroit où jadis Jean avait baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils lui disaient « Jean n'a pas accompli de miracle, mais tout ce qu'il a dit sur cet homme était vrai. » Et là, plusieurs personnes crurent en lui. Un homme qui vivait à Béthanie et qui s'appelait Lazare était malade. Béthanie était le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était celle qui avait répandu du parfum sur les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs firent parvenir un message à Jésus. Seigneur, ton cher ami est malade. Quand Jésus en prit connaissance, il dit :
La maladie de Lazare n'est pas destinée à le faire mourir. Elle s'est manifestée pour rendre gloire à Dieu. Et elle sera le moyen par lequel le Fils de Dieu sera glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Pourtant, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours de plus à l'endroit où il était. Puis il annonça à ses disciples, « Retournons en Judée. » Maître, il y a très peu de temps, les habitants là-bas voulaient te lapider, et tu envisages d'y retourner ? Le jour dure 12 heures, n'est-ce pas ? Ceux qui marchent en plein jour ne trébuchent pas, puisqu'ils voient la lumière de ce monde. Mais ceux qui marchent pendant la nuit trébuchent, puisqu'ils n'ont pas la lumière. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. S'il est endormi, Seigneur, il devrait guérir. Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais ses disciples pensèrent naturellement qu'il dormait. Aussi Jésus leur dit clairement : Lazare est mort. Mais pour votre bien, je suis heureux de ne pas avoir été avec lui, parce qu'ainsi vous croirez. Maintenant, allons le voir. Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux autres disciples. Allons, nous devons aussi accompagner notre maître, afin de tous mourir avec lui. Allons-y, nous te suivons. Quand Jésus arriva, Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Béthanie n'était qu'à moins de 3 kilomètres de Jérusalem, et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle vint à sa rencontre, alors que Marie resta dans la maison. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils meurent, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. Sur ces mots, Marthe s'en retourna et parla discrètement à sa sœur. Le maître est ici. Et il demande à te voir. Va. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut pour le rejoindre. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Tous ceux qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la suivirent lorsqu'elle partit précipitamment. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y verser ses larmes. Marie arriva où était Jésus. Et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Seigneur, Seigneur, si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la vit pleurer, comme il vit pleurer ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut touché et profondément ému. Où l'avez-vous enterré ? Par ici, Seigneur. Jésus pleura. Les gens dirent alors : Regardez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent :
Il a bien donné la vue à un aveugle, non? Alors ne pouvait-il pas aussi empêcher que Lazare meure? Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte avec une pierre devant l'entrée. Retirez cette pierre. Ça fait 4 jours qu'il est ici, Seigneur. Il doit y régner une forte odeur. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu si tu croyais? Alors, la pierre fut retirée. Jésus leva les yeux au ciel et dit : Je te remercie, Père, de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je dis cela pour le bien de ces gens, de sorte qu'ils croiront que tu m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare ! Sors de là ! Et le mort sortit. Les pieds et les mains entourés de bandes. Le visage enveloppé d'un linge. Retirez-lui ses liens et laissez-le aller. Beaucoup de ceux qui étaient venus rendre visite à Marie furent témoins de ce que fit Jésus, et ils crurent en lui. Mais certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur narrèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent donc le conseil pour dire : « Que devons-nous faire ? » « Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. » Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit : Êtes-vous stupides ? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir détruire la nation tout entière ? En fait, il ne disait pas cela de lui-même, mais comme cette année-là, il représentait les autorités juives en tant que grand prêtre, il prophétisait que Jésus devait mourir pour le peuple juif, et non seulement pour eux, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour, les autorités juives décidèrent de tuer Jésus. Jésus ne se déplaça donc plus publiquement en Judée. Il partit et se rendit dans une région à côté du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il s'installa avec ses disciples. La fête de la Pâque juive était proche, et beaucoup de gens du pays se rendaient à Jérusalem pour effectuer les rituels de purification. Ils cherchaient Jésus, et tout en se rassemblant dans le temple, ils se demandaient les uns les autres : « Qu'en pensez-vous ? Il n'osera sûrement pas venir à la fête, n'est-ce pas ?» Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il devait les avertir afin qu'ils puissent l'arrêter. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner avec l'aide de Marthe qui aida à le servir.
Lazare était un des convives qui était assis à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur. Et le versa sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison tout entière fut remplie de la douce odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit : Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? Il doit valoir dans les 300 pièces d'argent. Et cet argent, on l'aurait donné aux pauvres. Il disait cela non parce qu'il se souciait du sort des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est lui qui tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. Laisse-la tranquille. Elle veut garder ce qui reste pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une multitude de gens apprirent que Jésus était à Béthanie. Alors ils y allèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs se détournaient d'eux et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule énorme des gens venus à la fête de Pâques apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent alors des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Gloire à Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Dieu bénisse le roi d'Israël !» Jésus trouva un âne et monta dessus, tel que cela apparaît dans les Écritures. « Ne prends pas peur, ville de Sion. Voici ton roi, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas tout de suite l'ampleur de cet acte, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que les Écritures avaient annoncé cela à son sujet et que cela avait été accompli pour lui. Tous ceux qui avaient été les témoins du moment où Jésus avait fait sortir Lazare du tombeau et l'avait ressuscité des morts racontaient ce qu'ils avaient vu. Voilà pourquoi la foule venait à sa rencontre. Tous avaient entendu parler de ce miracle qu'il avait accompli. Alors, les pharisiens le constatèrent entre eux. Voilà, nous sommes loin d'avoir réussi. Voyez, le monde entier est en train de le suivre. Quelques Grecs faisaient partie de ceux qui étaient venus adorer Dieu pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis tous deux, ils allèrent le dire à Jésus. Maintenant, l'heure est venue pour le Fils de l'homme de recevoir la gloire. En vérité, je vous le dis, un grain de blé ne sera jamais qu'un simple grain, à moins qu'il ne tombe dans la terre et y meure. Et quand il meurt, il produit alors beaucoup de graines. Ceux qui chérissent leur propre vie la perdront. Mais ceux qui refusent leur vie dans ce monde la garderont pour la vie éternelle. «
Celui qui veut me servir doit me suivre. Ainsi, mon serviteur sera là où je suis, et mon père honorera quiconque me servira. Maintenant, mon âme est troublée. Que dois-je dire? Dois-je dire, père, ne permets pas à cette heure d'arriver? Mais je suis venu pour ça. Pour que je puisse endurer cette heure de souffrance. Père, donne gloire à ton nom. Alors, une voix parvint du ciel. Je l'ai déjà glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule qui était présente avait entendu la voix. Quelques-uns dirent que c'était le tonnerre, alors que d'autres dirent « un ange lui a parlé ». Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant l'heure où ce monde va être jugé. L'heure où le souverain de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En disant cela, il indiquait quel genre de mort il allait devoir endurer. Dans notre loi, il est dit que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire alors que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme? La lumière sera parmi vous pour un peu de temps. Suivez votre chemin pendant que vous avez la lumière, pour que l'obscurité ne vienne pas vous surprendre. Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Croyez en la lumière pendant que vous l'avez. Vous deviendrez alors des êtres de lumière. Après avoir parlé ainsi, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien qu'il ait accompli tous ses miracles en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. De sorte que ce qu'avait dit le prophète Isaïe semblait se réaliser. Seigneur, qui a cru en notre message? À qui le Seigneur a-t-il révélé son pouvoir? Ils n'étaient donc pas capables de croire parce qu'Isaïe l'a dit aussi. Dieu les a rendus aveugles et il a fermé leur esprit, afin que leurs yeux ne voient pas et que leur esprit ne comprenne pas. Voilà pourquoi ils se tournent vers moi, dit Dieu, pour que je les guérisse. Ésaïe avait dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Malgré tout, parmi les autorités juives, il y en avait beaucoup qui croyaient en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en parlaient pas ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. Ils préféraient encore l'approbation des hommes à celle de Dieu. Jésus proclama : « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière. » Afin que quiconque qui croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu pour sauver le monde, pas pour le condamner. Ceux qui me rejettent et qui n'entendent pas mes paroles trouvent là ce qui les jugera. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Et c'est la vérité, parce que je ne parle pas en mon nom. Mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné ce que je devais dire et annoncer. Et l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Donc ce que je dis est ce que le Père m'a dit de dire. C'était maintenant la veille de la fête de Pâques.
Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et rejoindre le Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples étaient en train de dîner. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de trahir Jésus. Jésus savait que le Père lui avait transmis tout son pouvoir. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Alors il se leva de table, il ôta ses vêtements, puis mit un linge autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce fut le tour de Simon-Pierre. Est-ce que tu as l'intention de me laver les pieds, Seigneur ? Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, jamais de la vie, tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne recevras aucune part de moi. Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas que les pieds, mais aussi les mains et la tête. Ceux qui ont pris un bain sont complètement propres. Et ils n'ont plus besoin de se laver, mis à part les pieds. Vous êtes tous propres. Tous sauf un. Jésus savait déjà qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit : Vous êtes tous propres, sauf un. Après que Jésus eut lavé les pieds de ses disciples, il remit ses vêtements et retourna à la table. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison de le faire puisque c'est ce que je suis. Moi, votre seigneur et maître, je viens de vous laver les pieds. Donc vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un messager pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux de mettre cette vérité en pratique. Je ne parle pas de vous tous ici. Je connais ce que j'ai choisi. Mais l'Écriture a raison quand elle dit « Celui qui a partagé mon pain s'est retourné contre moi ». Je tiens à vous le dire maintenant, afin que lorsque ce moment arrivera, vous puissiez croire que je suis qui je suis. En vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit également. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il n'est pas sorti. À
Après ces paroles, Jésus était profondément troublé. Et il déclara solennellement : En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous ici va me trahir. Oh. Mais, enfin, Seigneur. Les disciples se regardaient les uns les autres, perplexes, ne sachant pas de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était assis à ses côtés. Simon-Pierre lui fit un signe. Demande-lui de qui il veut parler. Alors, ce disciple se pencha vers Jésus. Qui est-ce, Seigneur ? Je vais tremper du pain dans la sauce et le lui donner. Ce sera lui. Alors il prit un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, le fils de Simon Iscariote. Dès que Judas prit le pain, Satan entra en lui. Hâte-toi. Et fais ce que tu as à faire. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi Jésus lui disait cela. Comme Judas avait la responsabilité de la bourse, certains disciples pensèrent que Jésus l'avait envoyé acheter le nécessaire pour la fête ou faire un don aux pauvres. Judas prit le morceau de pain et sortit aussitôt. C'était la nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant la gloire du Fils de l'homme est révélée. Maintenant la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu est révélée en lui, alors Dieu révélera en lui-même la gloire du Fils de l'homme. Et il le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais. Et je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais où vas-tu aller, Seigneur ? Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu pourras me suivre plus tard. Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant ? Je suis prêt à mourir pour toi. Es-tu vraiment prêt à mourir pour moi ? En vérité, je te le dis. Avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois que tu ne me connaissais pas. Ne sois ni inquiet ni fâché. Aie confiance en Dieu. Et aie aussi confiance en moi. Il y a beaucoup d'espace dans la maison de mon père. Et je vais y préparer une place pour vous. Je ne vous le dirai pas si ce n'était pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, alors je reviendrai et vous ramènerai près de moi, de sorte que vous soyez là où je suis. Vous connaissez le chemin qui mène à l'endroit où je vais. Oh Seigneur, nous n'avons aucune idée de l'endroit où tu vas. Alors comment pouvons-nous connaître le chemin à prendre ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit.
Il y a tant de temps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors pourquoi dis-tu donc « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas, Philippe, que je vis dans le Père et que le Père vit en moi ? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins en ce que j'accomplis. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi feront ce que je fais. Oui, ils feront même de plus grandes choses, parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que la gloire du Père apparaisse à travers le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et en vous. Quand je m'en irai, je ne vous laisserai pas seul. Je reviendrai vers vous. Dans bien peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Quand ce jour viendra, vous saurez que je vis en mon Père et que vous êtes en moi, tout comme je suis en vous. Ceux qui acceptent mes commandements et qui les suivent sont ceux qui m'aiment. Mon Père aimera ceux qui m'aiment. Moi aussi, je les aimerai et me montrerai à eux. Judas, non pas Judas Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te montreras à nous et non pas au monde ?» Ceux qui m'aiment obéiront à ma parole. Mon Père les aimera et mon Père et moi viendrons et nous vivrons avec eux. Ceux qui ne m'aiment pas ne suivront pas ma parole. Et la parole que vous avez reçue n'est pas mienne, elle vient du Père, celui qui m'a envoyé. Je dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui vient vous aider, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La paix, c'est ce que je vous laisse. C'est ma paix personnelle que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez ni inquiets ni troublés. N'ayez pas peur. Vous m'avez entendu dire... Je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux que j'aille auprès du Père, parce qu'il est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que les choses n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne peux parler avec vous plus longtemps, parce que le souverain de ce monde arrive. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais le monde doit savoir que j'aime le Père. C'est pour ça que j'agis comme il me l'a ordonné. Venez, quittons cet endroit. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il a enlevé toute branche en moi qui ne donne pas de fruits, afin que chaque sarment de cette vigne soit saine. Et ainsi elle portera encore plus de fruits. Vous avez déjà été assainis par l'enseignement que je vous ai donné. Restez unis à moi. Et je resterai uni à vous. Un sarment ne porte pas de fruits lui-même. Il ne le peut que s'il est attaché au pied de vigne. De même, vous ne pouvez porter de fruits sans être uni à moi. Je suis la vigne. Et vous êtes les sarments. Ceux qui restent unis à moi et à qui je reste uni portent plus de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Ceux qui ne restent pas unis à moi sont éjectés comme des sarments, ils se dessèchent. Les sarments secs sont ramassés, puis sont jetés au feu, et ils y sont brûlés. Si vous restez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous désirez, et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que vous devenez mes disciples.
Je vous aime, tout comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous suivez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai suivi les commandements de mon Père, et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit entière. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand sentiment d'amour envers vos amis, c'est de donner votre vie pour eux. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt ami, parce que je vous ai transmis tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller et de porter beaucoup de fruits, des fruits impérissables. Et alors, le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici donc ce qu'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, souvenez-vous juste... Lapidons-le ! ...qu'il m'a haï en premier. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et sorti de ce monde. Vous n'en faites pas partie. C'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont suivi mon enseignement, ils suivront aussi le vôtre. Mais tout ce qu'ils vous feront, ils le feront à cause de moi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'étais venu et ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses pour leur péché. Celui qui me hait, hait mon Père tout autant. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'avais fait parmi eux des actes que nul autre n'a jamais fait. Or, maintenant, ils ont vu ce que j'ai fait. Et ils nous haïssent, moi et mon Père. Cependant, tout cela devait arriver, afin que se réalise la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans aucune raison. Celui qui doit vous aider va venir, l'Esprit de vérité, et qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il témoignera pour moi, et vous aussi vous témoignerez pour moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela, afin que vous n'abandonniez pas la foi. Vous serez expulsés des synagogues. Et le temps viendra où ceux qui vous tueront penseront qu'en faisant cela, ils servent Dieu. Les gens agiront ainsi avec vous, parce qu'ils n'auront connu ni le Père ni moi. Mais je vous dis cela pour que, lorsque le temps sera venu pour eux d'agir ainsi avec vous, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous, mais très bientôt je vais partir vers celui qui m'a envoyé. Pourtant, aucun de vous ne me demande où je vais. Et maintenant que je vous l'ai dit, vos cœurs sont remplis de tristesse. Toutefois, en vérité, je vous le dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas. Alors que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera là, il prouvera à tous les êtres du monde qu'ils avaient tort à propos du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Ils ont tort au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils ont tort au sujet de la justice parce que je m'en vais auprès du Père et qu'ils ne me verront jamais plus. Et ils ont tort au sujet du jugement parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand toutefois l'Esprit sera venu, celui qui révèle la vérité sur Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui va arriver. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce que je lui donnerai et vous l'annoncera.
tout ce que mon père possède est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'esprit prendra ce que je lui donnerai et vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Certains de ses disciples se demandèrent entre eux, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il nous annonce que dans très peu de temps, nous ne le verrons plus, et qu'ensuite, très peu de temps après, nous le verrons. Et il a ajouté, « C'est parce que je vais auprès du Père. » Que signifie son « encore un peu de temps » Nous ne savons de quoi il veut parler. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. J'ai dit, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Est-ce bien à ce sujet que vous vous posez des questions ? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Quand une femme est prête à accoucher, elle est triste parce que le temps de sa souffrance est venu, mais une fois que le bébé est né, elle oublie sa souffrance, parce qu'elle est heureuse d'avoir mis au monde un nouveau-né. C'est la même chose avec vous. Aujourd'hui, vous êtes tristesse, mais un jour, je vous reverrai. Et vos cœurs se rempliront de joie, une telle joie que personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour sera là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre bonheur soit complet. Je me suis servi de paraboles pour vous dire tout cela. Mais le temps viendra où je n'utiliserai plus de paraboles et où je vous parlerai clairement au sujet du Père. Quand ce jour sera là, vous lui ferez vos demandes en mon nom. Et je ne dis pas que je le prierai pour vous. Parce que le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu. Oui, je suis venu du Père. Et je suis arrivé dans le monde. Et maintenant je quitte le monde. Et je pars auprès du Père. Alors ses disciples lui dirent, « Voilà qu'aujourd'hui tu parles clairement, sans employer de paraboles. Nous savons maintenant que tu connais tout, et tu n'as besoin de personne pour t'interroger. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. » Croyez-vous maintenant? Le moment arrive, et il est déjà là, où vous serez tous dispersés. Chacun sera rentré chez soi. Et vous m'aurez laissé seul. Mais je ne suis pas vraiment seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ressentiez la paix en restant unis avec moi. Le monde va vous faire souffrir. Alors soyez braves. J'ai déjà vaincu le monde. Après que Jésus eut dit cela, il se tourna vers le ciel et dit, le moment est venu. Rends gloire à ton Fils, afin que le Fils te rende gloire aussi. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. Et la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu véritable, et à connaître Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Père, maintenant accorde-moi ta gloire en ta présence, cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as extraits du monde. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont obéi à ta parole et ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai transmis les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils reconnaissent le fait que je sois venu de toi, et ils croient que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que tu as est à moi. Et je suis glorifié à travers eux. Et maintenant, je viens à toi. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde.
Ô très saint Père, protège-les grâce à ton pouvoir divin. Celui que tu m'as accordé, afin qu'ils deviennent un. Comme toi et moi sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les protégeais grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui était voué à se perdre, pour que ce qui est écrit se réalise. Et maintenant, je viens à toi et je suis encore dans le monde en disant cela, afin qu'ils sentent ma joie en eux, une joie entière. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, tout comme je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te prie et te demande de les préserver du mal. Tout comme je n'appartiens pas au monde, ils n'appartiennent pas au monde. Consacre-les en ton nom par la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Et pour leur bien, je me dévoue entièrement à toi, de sorte qu'eux aussi puissent se dévouer entièrement à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie afin que tous puissent être un. Père, puissent-ils être en nous, tout comme tu es en moi et je suis en toi. Puissent-ils être un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la même gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils puissent être un, tout comme toi et moi sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient entièrement un, de sorte que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, c'est à moi que tu les as confiés et je veux qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils puissent voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais. Et ceux-là savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux. Et je te ferai connaître encore. Afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux. Et que je sois moi-même en eux. Quand Jésus eut terminé sa prière, il partit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel Jésus entra avec ses disciples. Judas, le traître, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas se rendit donc jusqu'au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats romains, ainsi que quelques gardes du temple envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils étaient armés et portaient lanternes et flambeaux. Jésus, qui savait déjà ce qui devait arriver, s'avança vers eux et demanda : « Qui cherchez-vous ? » Jésus de Nazareth. Judas, le traître qui le livrait, se tenait là, avec eux, lorsque Jésus leur dit : « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. De nouveau, Jésus leur demanda : qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Je vous ai déjà répondu que c'était moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Il dit cela afin que ce qu'il avait dit se réalise. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Remets ton épée dans son fourreau.
Penses-tu que je vais refuser de boire la coupe de souffrance que mon père m'a servie? Alors les soldats romains, leurs commandants et les gardes des autorités juives se saisirent de Jésus, le ligotèrent. Et l'emmenèrent tout d'abord chez Anne. Anne était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et c'est Caïphe qui avait prévenu les autorités juives qu'il était dans leur intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était bien connu du grand prêtre. Il put donc entrer avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors, près de la porte. Alors, l'autre disciple ressortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? Non, je ne le suis pas. Il faisait froid, donc les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu autour duquel ils se réchauffaient. Pierre s'en était approché et se tenait avec eux, lui aussi se réchauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus répondit : J'ai toujours parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les gens se rassemblaient. Je n'ai jamais rien dit en secret. Pourquoi alors m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu et demande-leur ce que je leur ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. Comment oses-tu parler de la sorte au grand prêtre ? Si j'ai dit quelque chose de mal, dis à tout le monde ici ce que c'était. Mais si tout ce que j'ai dit était juste, pourquoi me frappes-tu ? Alors Anne l'envoya, toujours ligotée, à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Pierre était toujours là, occupé à se réchauffer. Les autres lui demandèrent : « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? » ?»« Non, je ne le suis pas. » Mais Pierre le nia vivement. Un des serviteurs du grand prêtre, de la même famille que celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : Je ne t'ai pas déjà vu avec lui dans le jardin ? Non. Et aussitôt, un coq se mit à chanter. Tôt le matin, on emmena Jésus de la maison de Caïphe au palais du gouverneur romain. Mais les autorités juives n'entrèrent pas dans le palais afin de respecter leur rituel de purification nécessaire pour manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : Et de quoi accusez-vous cet homme ? Nous ne serions pas venus te le livrer s'il n'avait pas commis un crime. Alors prenez-le vous-même et jugez-le selon votre propre loi. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Ainsi, la parole de Jésus, lorsqu'il avait indiqué de quelle mort il allait mourir, était en train de se réaliser. Pilate rentra dans le palais et fit venir Jésus. Es-tu le roi des Juifs ? Cette question vient-elle de toi ? Ou d'autres t'ont-ils dit ça de moi ? Tu penses que moi, je suis juif ? C'est ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ? Mon royaume n'appartient pas à ce monde.
Si mon royaume appartenait à ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour empêcher que je sois livré aux autorités juives. Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu es donc un roi. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et venu dans ce monde, c'est dans un seul but. Rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et qu'est-ce que la vérité ? Après cela, Pilate retourna voir les gens au dehors et leur déclara : Je ne trouve aucune raison pour le condamner, mais... En accord avec votre coutume, je vous libère toujours un prisonnier pendant la fête de Pâques. Voulez-vous que je libère pour vous le roi des Juifs ? Ils lui répondèrent en criant : Non, pas lui ! Donnez-nous Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Or, Barabbas était un brigand. Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Donnez-nous Barabbas ! Alors Pilate emmena Jésus et lui fit donner le fouet. Les soldats tressèrent une couronne faite de branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre et, s'approchant de lui, ils lui dirent « Salut, roi des Juifs !» et lui donnèrent des gifles. Pilate ressortit et s'adressa de nouveau à la foule. Écoutez, je vais vous amener cet homme ici dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Regardez, voici l'homme. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! À mort ! À mort ! À mort ! Crucifiez-le ! À mort ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Oui, c'est bien. Alors prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve aucune raison pour condamner cet homme. Nous avons nos lois, et selon elles, il doit mourir, parce qu'il a prétendu être fils de Dieu. Quand Pilate entendit cela, il prit encore plus peur. Il retourna dans le palais et demanda à Jésus : D'où est-ce que tu viens ? Mais Jésus ne répondit pas. Tu ne veux pas me parler ? N'oublie pas. J'ai tout le pouvoir qu'il faut pour te libérer. Mais également te faire crucifier. Si tu as ce pouvoir sur moi, c'est parce que Dieu a bien voulu te le donner. Celui qui a péché en me livrant à toi est bien plus coupable que toi. Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate chercha le moyen de relâcher Jésus. Si jamais tu le relâches, ça signifiera que tu n'es pas l'ami de César. Quiconque ose prétendre être un roi se déclare alors être l'ennemi de César.
il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé Place Pavée, en hébreu Gabata. C'était la veille de la fête de Pâques, et il était presque midi. Pilate s'adressa à la foule. Voici votre roi. Tuez-le. Crucifiez-le. Crucifiez-le. À mort, crucifiez-le. Crucifiez-le. Vous voulez que je crucifie votre roi ? Nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Il dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et marcher jusqu'à un endroit appelé le lieu du crâne, Golgotha en hébreu. C'est là qu'il fut crucifié. Et ils crucifièrent aussi deux autres hommes, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit faire un écriteau qu'il fit poser sur la croix. Dessus, il y avait écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de gens le lirent, parce que l'endroit où Jésus avait été mis en croix se trouvait près de la ville. Et l'inscription était écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres dirent à Pilate, « Plutôt que roi des Juifs, tu devrais écrire à la place. » « Cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Ce que j'ai écrit restera écrit. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, tissée d'une seule pièce et sans couture. Entre eux, les soldats se dirent, « Ne la déchirons pas, mais jouons-la au dé pour savoir qui la gardera. » Voici donc qu'allait se réaliser cette parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Et c'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Voici ton fils.
Puis il dit aux disciples : Voilà ta mère. Et dès cet instant, le disciple la prit et l'emmena vivre chez lui. Ainsi, à présent, Jésus savait que tout avait été accompli. Et afin que l'Écriture se réalise, il dit : J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Alors une éponge fut trempée dans ce vinaigre, fixée à une branche d'hysope et portée jusqu'à ses lèvres. Jésus but le vinaigre. Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Les autorités juives demandèrent à Pilate l'autorisation pour qu'on brise les jambes de ceux qui avaient été crucifiés et qu'on descende leur corps des croix. Ils firent cette requête car c'était un vendredi. Et il ne voulait pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat. D'autant que ce sabbat-là était particulièrement important. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier supplicié, puis celles du second des deux hommes qui avaient été crucifiés avec Jésus. Puis vint le tour de Jésus. Ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Cependant, un des soldats lui perça le flanc avec une lance. Et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui a été témoin de ces faits les a racontés, afin que vous puissiez croire aussi. Son témoignage est vrai, et il sait, lui, qu'il dit la vérité. Cela s'est passé de sorte que soit réalisé ce passage de l'Écriture, « Aucun os ne lui sera brisé ». Il y en a d'ailleurs un autre qui dit « Ils le regarderont, lui, qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph, qui était de la ville d'Arimathie, demanda à Pilate l'autorisation de récupérer le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret par crainte des autorités juives. Et Pilate lui permit de le prendre. Donc Joseph vint et emporta le corps de Jésus. Nicodème, celui qui une fois était allé voir Jésus pendant la nuit, accompagna Joseph, emportant avec lui près de 30 kilos d'épices, un mélange de myrrhe et d'aloès. Les deux hommes prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, avec les épices conformément à la coutume juive, lorsqu'ils préparent un mort avant de l'enterrer. À l'endroit où Jésus avait été mis à mort, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme c'était la veille du sabbat, et que le tombeau était tout prêt, c'est là qu'ils déposèrent le corps de Jésus. Tôt le dimanche matin, alors que le jour n'était pas encore levé, Marie de Magdala se rendit au tombeau, et elle vit que la pierre de l'entrée avait été enlevée. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Ils ont sorti le Seigneur de son tombeau et on ne sait pas où il a été emmené. Alors Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au tombeau. Tous les deux couraient vite, mais l'autre disciple courut encore plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et aperçut les bandes de lin par terre, mais il n'entra pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et pénétra directement dans le tombeau. Il vit les bandes de lin à même le sol et le linge dont on avait couvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas par terre avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part. Puis l'autre disciple, qui était arrivé le premier, entra à son tour. Il vit et il crut. Il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie, elle, resta à l'entrée du tombeau et pleura. Tandis qu'elle pleurait, elle se pencha et regarda à l'intérieur du tombeau. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, pourquoi pleures-tu ? » lui dirent-ils. « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils ont emmené son corps. » Puis elle se retourna, et elle vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne se rendit pas compte que c'était lui. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui est celui que tu cherches ?» Elle pensa que c'était le jardinier. Alors elle lui dit... « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as emmené et j'irai le reprendre. » Marie. Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers le Père. Mais va voir mes frères et dis-leur ceci. » Je vais retourner auprès de celui qui est mon père, et aussi leur père. Mon Dieu et leur Dieu. Marie de Magdala partit donc annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et leur répéter ce qu'il lui avait dit. Il était tard, en ce dimanche soir, et les disciples s'étaient réunis. Ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et se tint parmi eux. « La paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son flanc. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie. » Ensuite, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez à ceux qui ont péché, ils auront le pardon. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne l'obtiendront pas. L'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » « Moi, si je ne vois pas la trace des clous dans ses mains et pouvoir poser le doigt sur sa blessure, poser ma main sur son flanc, jamais je ne croirai ça, non. » Une semaine plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Pose ton doigt ici et regarde mes mains.
Ensuite, avance ta main et place-la sur mon flanc. Cesse de douter pour croire. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu crois? Parce que tu m'as vu. Comme ils sont heureux ceux qui croient sans même m'avoir vu. En présence de ses disciples, Jésus a accompli beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ceux qui y ont été retranscrits l'ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'à travers votre foi en lui, vous trouviez la vie. Après cela, Jésus apparut une fois de plus à ses disciples au lac de Tibériade. Voici comment. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, celui de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres : Je vais aller pêcher. Nous y allons avec toi, lui répondirent-ils. Ils montèrent tous dans une barque, mais ils rentrèrent bredouilles de cette nuit de pêche. Jeunes gens, avez-vous pêché quelque chose? Non, rien! Jetez votre filet du côté droit de la barque et vous aurez du poisson! Ils le jetèrent donc. Et ils n'arrivèrent pas à le remonter dans le bateau, tellement ils avaient attrapé de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur. Dès que Pierre entendit que c'était le Seigneur, il enroula son vêtement autour de la taille, car il était dévêtu pour pêcher, et se jeta à l'eau. Les autres disciples rejoignirent le rivage avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, il y avait là un feu, avec du poisson dessus et du pain. Apportez ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et bien qu'il y en eût autant, le filet ne se déchira pas. Venez et mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était donc la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité. Après qu'ils eurent mangé, Jésus demanda à Simon-Pierre : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tous les autres ici ? Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui demanda : Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Une troisième fois, Jésus lui demanda : Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui demanda pour la troisième fois : Est-ce que tu m'aimes ? Alors il lui répondit : Seigneur,
Toi qui sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu étais toujours prêt et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Puis quelqu'un t'attachera et t'emmènera où tu ne veux pas aller. En disant cela, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendrait gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit : Viens, suis-moi. Pierre se retourna et vit derrière lui l'autre disciple que Jésus aimait, celui qui lui avait demandé : Seigneur, qui va te trahir ? En le voyant, Pierre demanda : Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe ? Toi, suis-moi. Ainsi, un bruit courut parmi les fidèles de Jésus que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Il avait juste dit : Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe ? C'est ce disciple qui témoigne de ces faits, et les a mis par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. En fait, il y a tant d'autres choses que Jésus a réalisées. Si on devait les raconter l'une après l'autre, j'imagine que le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres que l'on pourrait écrire. L'apôtre Jean a dit que le but de son évangile était que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. En décrivant ces événements, Jean nous presse de croire et d'avoir confiance en Jésus, qui a payé pour nos péchés en mourant sur la croix. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu véritable, et à connaître Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Mais tout cela a été écrit dans le but que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'à travers votre foi en lui, vous ayez la vie éternelle. Cela signifie deux choses. Nous devons accepter avec Jésus que nous avons péché contre Dieu, et qu'il y a des fautes dans nos vies, si petites semblent-elles. Et nous devons croire que Jésus a payé pour nos péchés en mourant sur la croix, à notre place. Si nous faisons cela, Dieu nous accorde immédiatement la vie éternelle. Quand l'apôtre Thomas fut confronté à cette réalité, il s'exclama : Mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez être en paix avec Dieu quand vous énoncerez les affirmations suivantes. J'affirme avoir péché contre Dieu. J'affirme que la mort de Jésus sur la croix a payé complètement pour mes péchés. Et je fais confiance au paiement de mes péchés par Jésus pour avoir la vie éternelle et me tenir devant Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu.